La Sérénissime, enfin libérée des paquebots. Depuis ce 1er août, il n'est plus possible de voir ces bateaux de croisière entrer dans le cœur de Venise. Après plusieurs rétropédalages, le gouvernement italien les a interdits afin d'éviter à la ville d'être incluse dans la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en danger. Si l'Italie a tardé à prendre cette décision, c'est bien parce que l'industrie de la croisière contribue largement à l'économie vénitienne. Environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires sont réalisés chaque année. Mais les conséquences du changement climatique entraînant la montée des eaux, ainsi que les dommages potentiels aux bâtiments, ont pesé dans la balance lors de la prise de décision.